Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui comment transformer votre smartphone en Windows 7. En interface, ça veut dire de Windows 7. Alors pour cela, on va aller sur Play Store et on va télécharger et installer une application donc dite Simulator for Windows 7. Voilà donc, c'est la deuxième application. Clique ici, gratuite, et l'application va être installée sur votre téléphone. Une fois l'application est installée, vous allez vous retrouvez avec le raccourci de celle-ci sur l'écran de votre téléphone. Alors, pour ouvrir l'application, double-clique sur son raccourci. Et voilà donc le son de démarrage de Windows 7 que vous entendez. Et voilà donc l'interface de Windows 7 sur votre téléphone. Donc voilà le bouton démarrer. Donc si on clique sur le bouton démarrer, on obtient ici donc le menu démarrer où il y a toutes vos applications, les applications installées sur votre téléphone. Pour ouvrir une application, donc il suffit de cliquer dessus. Et voilà. Donc, l'interface de notre téléphone ressemble exactement à l'interface de Windows 7. Donc, il s'appelle Musique, Picture, Computer et le menu démarrer de Windows 7. Alors, je peux utiliser Windows Media Player pour lire mes musiques et mes vidéos en cliquant dessus. Voilà. Je peux utiliser aussi Internet Explorer comme navigateur. Bref, comme si on est réellement sur Windows 7. Si vous cliquez sur Computer, vous allez vous accéder au stockage de votre téléphone. Voilà donc le stockage total de l'appareil et le stockage libre ou à utiliser. Alors, ainsi, j'espère que cette vidéo vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois.